Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Conférence matin, vous avez deux points là-dedans, nous besoin de faire lumière sur. Et c'est peut-être ça, d'inviter la presse pour me faire une non-fonote du Fonds national des organisations de résistance pour être stable et démocratique, capable côté de précision par rapport à six camarades moins. Que la police, dans le cadre de checkpoint, dans le cadre de travail, tout, que la police fait, que la police a arrêté 5 camarades, 6 camarades pour moi. Et dans 6 camarades, ça, il y a Robert Patrick, il y a Renel Gentil, il y a Pierre Larosier, Bob Stanis, Opnel Stanis. La police, dans le cadre de travail, M. Sao, de nos zones, et puis ils ont décidé de manger. Dans le cadre de travail que la police a fait, que nous-mêmes nous encourageons, que nous supportons, durant le dernier jour, ça, nous disons que la police doit interpeller, doit questionner n'importe où, surtout si les zones sont zones rouges. Et ça qui bouleverse la question. Hein? Policiers, dans le cadre de tout rapport travail professionnel, si ce monsieur ça a arrêté, ne hein? Pas mettre aucune étiquette sur eux, ni ne pas traiter ni de présumés bandits. Parce que il y a 5 ans, c'est des agents BESAP, il y a des Larosier et Gentil. Renel, qui était transféré tout dernièrement dans Germoplast Tempérin. Ou bien Pocnel Tanis avec Bob et Robert Patrick et Robert Pierre, Nexario, nous cantonnons dans Air Protégé du côté Berlance. Cependant, vu la situation économique, côté de l'Union, combien de travail l'État par Jean Bayonbou. Qui sont difficiles, il faut entrer dans la ville là pour être capable de connaître de quoi il en est, qui est l'état de dialogue. D'ailleurs, tout le monde sait, c'est une cité là, c'est de nous. Il y a deux, Renel Gentil avec Laosé Pierre, c'est des fonctionnaires qui sont nommés par l'État ici, par le ministère de l'Environnement. Ou il y a l'autre trois messieurs qui sont contractuels, bureau national. Agence nationale des aires protégées. Et maintenant, moi-même, je viens là pour demander pour chaque monde en ce qui concerne le dossier ça pour responsabilité. Parce que monsieur, c'est des pères de famille, c'est des monde responsables qui ont 3-4 ans qui m'a coupé. Nous avons des rapports de travail ensemble. Nous voulons que le pays connaisse. Il n'y a pas que Véonie dans la gang. Il n'y a pas fait partie d'aucune gang. Et surtout pour les anciens militaires, que tout le monde connaît relation, rapport avec la question militaire. Cependant, la situation qui a développé par rapport avec BESAP, qui est le corps de surveillance des aires protégées, que parfois l'autorité, l'autorité policière, qu'on pensait que ça voulait rentrer sur le champ d'action. Et ça vient créer une sorte de police, ça vient créer une sorte de jalousie. Cependant, avec respect que j'ai gagné pour nous tous qui là comme journalistes et pour façon dont nous-mêmes nous toujours accompagner dans le combat
Je toujours prends le soin pour me respecter les gens qui ont mis pour eux, même lorsqu'elle bataille un journaliste professionnel. Mais par solidarité de corps, si nous respectons une, nous voulons respecter l'autre là, ça veut une cause parfois nous souffrir. Moi, je voulais parler de CEDO, ça, CEDO analyste là qui est Teriel Telis. Teriel Telis, qui c'est petit Negiorele, Roni Collet, Roni Sermo, pas Roni Collet, Roni Sermo. Il vient Roni Collet, avant il était jugé Roni Collet, il laisse altérer les Roni Sermo. Là, on finit jugé Roni Collet pour voler, ben faire voler cochon, il vient changer le nom de Roni Sermo, il vient Roni Collet. Nous avons des Teriel Telis, il y a une dimension. Mais quand on met ensemble, on a tout calé donné. Personne ne va jamais poser aucune question. Et puis, pour nous, Teriel Telis fait comprendre tout ça, c'est des bagailles. Pour nous prendre, pour ça le payer. Mais quand écoute la radio, on y colle, c'est voler, voler, caille. Moi-même, j'ai plusieurs dossiers, je poursuivre on y colle pour vol de terrain dans le coin de bouquet. Roni Collet, maman Roni Collet, tu as pris un café dans l'église Borepo, l'église Baptiste Borepo. Roni Collet est avec une femme, femme a utilisé Roni Collet dans le marché volé bœuf dans les cochons le soir. Il a pris arrêté Roni Collet, comme il sait qu'il juge Roni Collet, il peut mourir, il n'est pas mourir là. Oh, voilà que Teriel Telis fait tête qui passe. Vous voyez, tout à qui vous travaillez à un volet cochon. Est-ce que Teriel Telis, ce n'est pas manger voler qui a grandi, qui fait gorge j'en dis? Parce que Teriel Telis est un grand monsieur parmi eux, pour le faire monsieur passer pour salvailler. Teriel Telis est un dit que la police joue une manchette, gilet pare-balles, couteau, etc. etc. Il est un dit, je ne sais pas si c'est des bosses qui sont liés. Comment Teriel a parlé avec aussi d'arrogance alors que boss, papa, le patron, c'est un volet cochon. Qui, l'aime dit volet cochon, qui côté pas qu'on y connaît de cassé à y. C'est dans le cas général, Henri Nanti, il a voix facile. C'est la pâte bête là de mais ça, il t'a bon cochon, il t'a bon viande, il t'a bon viande dans le marché bon. Il a jugé, il a jugé, il a caché les organes. Le Roni Collet, Rive Logan, en Roni Sermo, le lap tout de boulou une candidat à Port-au-Prince, li vin Roni Collet. Roni Collet, en boulou, y a plus passé 600 carottes dans le Guadé Bouquet. Roni Collet, te youn nanè qui a plus gros gang avec Teriel Telis. Nèg yo fou mouvement avec 400 marozo, et m'a rappelé nous, le la police tap nan 4 batailles pays l'homme. Elle passe toute déclaration, toute émission. Tendez, petit adoptif Roni Collet. Parce que papa Teriel Telis, qui c'est Roni Collet, c'est un voleur. Or, lui-même, quand il compte radio Zénith, son caille Roni Collet volé. Radio Télé Zénith, son radio Roni Collet volé. Non, mais une dame, c'était maître radio, c'était. Centrale autonome de travail haïtien. Or, voilà que c'est nous ça, depuis au cours de l'arrêt au monde, pour le café Boss, pour le café View, et bien, il est en chercher un ensemble d'étiquettes qui mettent sur le monde. Pourtant, qui est-ce qui t'a coordonné 400 maroons dans le coin des bouquets avant ça? C'était SDP. SDP mettait avec Roni Collet. Les SDP à l'époque crasée, ils ont fait appel à Roni Collet, boss SDP, pour venir chita pour voir comment ils ont reconstruit SDP, parce que vous rendez compte, SDP était fini crasé pas qu'à mettre le monde dehors. Mais là, ça, c'était Roni Collet avec Teriel Telus, qui était dans la communication à tout le monde. Qui ça n'est pas venu par le fait? Pour dire aux propositions, peut-être vous avec les 4 Sawaroso, pour que le monde ne pas un regard sur eux. Nous pensons que pendant le pays, pas de bonne relation, une étroite collaboration. Entre 400 Marozo et Roni Collet, nous pensons
Radio Zenith t'a prêté côté là pour la fonctionner, j'en la fonctionner. Dis tout pas. Eh bien, je viens de dire Ronnie Colin, je viens de dire à Ronnie Semo alias Colin. Les petites garçons, Teriel Telus, dit Teriel Telus pour moi, l'argent la prendre, c'est l'argent volé. Pour prendre précaution, pour ne pas n'importe de parler voler mal, parce qu'elle a gonflé. Parce qu'on volait quand on prend nous manger, bah, on y connaît, et puis on y connaît, elle va petit manger, et puis c'est lui pété. Parce que, je dis matin, vous combat là qu'à plein air. Combat qu'à plein air, c'est combattre tout le monde qui devient, et puis permettre voyou, prendre élan. Permettre Dignendo, bandit, parce que nègre, c'est justice, il y a tout bien. De vous bien l'argent, vous faire toute bagaille. Pour ça, c'est pour Ronnie Colin, ensemble avec Teriel Telus. Et puis ma petite Teriel Telus, pas jamais osé permettre de citer non. Pierre Simon Georges, à cause de mon genre. Parce que nous-mêmes, nous sommes des gens qui baillent tête une doctrine qui est éthique. Nous ne pouvons pas jamais accepter de participer dans des bagailles qui ne pas ça. Pour qui ça? Parce que nous pouvons. Si nous parlons, il faut que les gens nous gardent. Il faut que c'est nous projeter. Deuxième bagaille, nous voulons dire, c'est par rapport avec la célébration du 18 mai à la Caye. Jodi, nous venons lancer un vibrant appel à toute l'organisation, les gens qui devaient être victimes dans le bouquet, qui devaient être victimes pendant Rose Mila, petit frère, magistrat à Caye. Les clés pour nous aujourd'hui, la gang qui a tué mon Akayayo, c'est une grosse mille à petit frère qui est dans notre tête. Les clés pour nous aujourd'hui, c'est monsieur Ariel Henry qui est mis sous base 400 maroons dans le monde. Et nous avons dit aujourd'hui avec le directeur général de la police, il faut prendre des précautions. Parce que les gens qui ont parlé dans le groupe 400 maroons, c'est le boss 400 maroons. 400 maroons, quand on dit qu'il est bloqué, pendant un mois, personne ne va passer, personne ne va monter. Pourtant, Ariel Henry, à travers Tolbert Alexis, Rosemary la petit frère, il a négocié pour que 400 Marozo permette à Ariel à commémorer 18 mai à la caille. Pas de balle qui tire, pas de cartouche qui tire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire. Propriétaire gang, mettre gang dans la rue, tout gang baisse ses armes. Tant de boss la fin passer, tant de boss la fin faire ça la paix après tout. Ce n'est pas normal pour nous des dirigeants qui chita sous gang pour diriger ou bien pour gagner le pouvoir. Ok? C'est ça qui est extrêmement important. Nous prenons le travail avec un ensemble de victimes de Mounsao pour nous capables de monter une plainte en bonne et due forme pour nous déposer par devant un cabinet d'instruction. Parce que l'éclair pour nous aujourd'hui à nous identifier les gens qui mettent des armes et les gens qui mettent gang de façon intellectuelle qui peuvent assassiner les gens. Nous identifier, c'est clair pour nous. Il y a des situations qui sont faites là. Il y a des rencontres qui sont faites avec le gouvernement qui a gagné représentants de SAP et différents secteurs dans la police et militaires. Pour mettre l'ordre dans le pays. Et c'est après tout le monde, les gens qui viennent dans le pays viennent subir la persécution. Nous qualifions de persécution parce que quand il y a un décret présidentiel, quand on arrête le présidentiel, il y a un décret, son décret qui annule un décret. Son décret loi qui annule un décret loi. C'est une disposition de loi qui annule une disposition de loi. Voilà que un décret qui crée, un décret présidentiel qui crée l'Agence nationale des aires protégées. En dedans décret ça, en dedans institution ça, une direction tirée le corps de surveillance. Monsieur là, au monde qui a pour nous baxer aujourd'hui, par rapport à côté de SDP au MNPI, aujourd'hui a besoin de galerie pour le Bénin. Je n'ai pas besoin de nous pour nous dire que nous des citoyens, maman, des papas petits, pour dire que nous voulons gérer, à protéger, et à protéger. Minsep et pour dire que nous couteau dans la main. Pour dire que nous avons un couteau dans la main. Alors que la loi est claire, la loi dit que ça, entité ça, pour faire.
C'est vrai, ministre, te prend un décret, te prend un communiqué pour dire battre les sapeurs. Mais l'on décret. Pas annuler, ils ont communiqué, pas annuler un décret, pas vrai? Ils ont communiqué, pas annuler un décret. Un décret loi, un décret loi, son décret loi qui annule un décret loi. Ils ont arrêté présidentiel, son arrêté présidentiel qui annule un arrêté pour un coup, ou un arrêté présidentiel. Or voilà que ils ont fini de faire. Nous, ils ont fini de faire, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de travail. Ils ont parlé de eux, et puis ils ont diabolisé eux. Et pour web, on y a un petit peu au niveau de qui serait les terriels de l'islam. On y a fait sortir pour faire moun sa yo, militaire sa yo, car qui baille 100 yo en dedans agence nationale des airs protégés, en dedans BESAP, et puis pour faire passer pour vacabou. Nous dit un, mais c'est pas vacabou. D'ailleurs, la police est très professionnelle en ce sens. Nous, la suite, la police pas mettre aucune qualification bon côté monsieur en attendant dirigeant BESAP, responsable BESAP, présenté pour eux. Mais, les réalités de l'histoire, nous prenons ça à régler, nous prenons ça aussi du tout dans les gendarmes, parce que n'est-ce qui puisse parler de les gendarmes, c'est les gendarmes qui parlent déjà pour voler. Parce qu'on est guidé, on ne peut pas parler de mes chefs. Moi-même, pas gagné pour. Un policier campé, automatiquement la police conforme. Automatiquement moi militaire me conforme. C'est volé avec nous gars ou pas ou le chien. Eh bien, nous finissons pour nous dire. Nous-mêmes, nous t'arrêmé dans 4 batailles qu'il a pour que la police, la médaille, mette avec toute institution sécurité dans le pays. Mettez l'ordre, mettez sécurité, rétablir l'autorité de l'État. Mais en même temps, pour nous veiller. Nèg qui finit le pays, et puis je dis à ceux qui célèbrent dans la radio pour pouvoir dénoncer les bandits. C'est pour le papa et les bandits qui ont engagé, oui. Pour nous avoir tout et tout. Parce que moi-même, dans des déclarations, vite l'homme fait. Je viens sous ça dans le jour de la vie. Vite l'homme sont bandits, c'est vrai. Mais c'est nèg STP, là nous avons dénoncé ça dans toute réunion, parce que c'est une bataille politique qui nous a fait, et pas de vérité nous a fait. Parce que l'éviter l'homme dans ton sel, même plus au vite, et dans un homme, même plus au dans un homme, même périmètre. L'homme te connaît pour une réunion, Nenel Kassi, André Michel, Don Kato qui voisin éviter l'homme. Nous te connaissons, d'ailleurs, c'est parce que pas de capote bourré sous moi, qui fait pas de capote bourré sous moi, malgré ça, il a écrasé la machine. L'homme vient monter mi bloc, il a acheté ça, il a bourré. Qui est-ce qui t'est campé? André Michel campé sur terrain. Parce que André Michel campé sur terrain, pas même bon mettre. Demain en poche, la fête est sympa et puis les gars pour des blocs. Je dis, c'est pour nous prendre ni actif là, ni passif là. Avec dit, c'est peut-être ça, je dis, nous voulons dénoncer les qui dans la radio de les Zénithios, qui tenent en base vite l'homme avec eux, et puis je dis, qui a fait l'autre qui ne devient pas ce qui c'est peut-être ça matin je me fais conférence pour me dire pays. Maman, famille Patrick, famille messieurs arrêté, pour nous ne pas paniquer, ce n'est pas ni dans le kidnapping, ni dans le vol, ni dans le sac au Québec, messieurs. C'est dans quatre travail de la police font checkpoint et nous combattons et nous faisons tout ça capable pour que messieurs soient capables de regagner la liberté. Parce que battre qui sous yo, c'est l'État qui s'en va et c'est Batia qui dit, messieurs, ils ont le permis, ils ont autorisé pour le porter. Ça veut dire qu'on battre le tabac, non, battre le tabac alimenté, pendant autorisé. Et qui vous yo, c'est des fonctionnaires et des contractuels de l'État ici. Merci. Gros laissez frapper, Cabra poursuivre dans la commune Cité Soleil. Entre plusieurs groupes gangs. Depuis plus passé un mois, la cause yon vingtaine de monde perdit la vie, sans compter sa qui blessé à Kaye qui boule pendant affrontement sa yo. Ancien député commune Cité Soleil, Almetis Junior, Saint-Fleur, Longé Douetli, sous corps groupe lan, businessman et politicien malhonnête comme moun qui t'a des affrontements sa yo qui d'après Saldi cache gros intérêt politique et économique.
Santa Carla Lévesque une série dialogue qui commençait entre premier ministre Ariel Henry et bureau suivi à Comontana pas qu'à changer en rien c'est bipacita sur sincérité et volonté pour retirer pays en impasse. Directeur exécutif SKL Révérend Père Gardi Maisonneuve fait qu'on est premier ministre manifesté intérêt pour faire dialogue dans dernier jour ça parce que équipe politique qui t'émettait le sous pouvoir voulait changer monde. Dirigeant politique qui fait partie initiative Marien au fait qu'on est pour qu'on ait aucune négociation qui commençait en bureau suivi à Comontana avec premier ministre de facto Ariel Henry qui était chita palé pendant deux fois semaine qui s'est passé là à Kyun nan représentant bureau suivi à Comontana Magali Komodeni. D'après yon nan dirigeant initiative patriote Marien au ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé responsable bureau suivi à Comontana seulement proposer un agenda discussion par le premier ministre qui pourquoi fait aucune réaction sur ça qui sur ça qui dit en dans document ça qui pose conditions pour gagner négociation en deux parties. La vie chère mélangée avec violence exam groupe bandit provoqué dans plusieurs zones dans pays a une gros conséquence sur condition la vie paysan yo d'après président mouvement paysan papa elan l'état a doué profiter saison la pliante en cours plateau central la Tibonite à nord pour accompagner paysan yo qui dans gros difficulté d'après Chavanne Jean-Baptiste gros laisser frapper capra poursuivre dans commune Cité Soleil entre plusieurs groupes gang depuis plus passé yon mois la cause yon vingtaine moun pèdi la vie sans compter sa ki blessé a kay ki boulé pendant affrontement sa yo ancien député commune Cité Soleil Almitis Junior Saint-Fleur longe douette li sou ko groupe lan businessman ak politicien malhonnête comme moun ki ta derrière affrontement sa yo ki d'après saldi caché gros intérêt politique ak économique d'après responsable organisation Zantra et Boukman nan sa k'ap passé nan cité en dernier temps sa yo gagnent gros main à gros intérêt qui caché derrière c'est un parti dans plan corps groupe plan à appliquer dans pays Almitis Junior Saint-Fleur qui rappelait commune Cité Soleil était connait un bon moment la paix qui te permet la vie reprendre fait connait violence exam dernier temps ça yo dépassé une simple question bataille pour gagner contrôler plus territoire pendant les plaider pour gagner un chita parler sous armes et munitions qui rentrer dans pays hein. Explication coordonnateur général organisation Zantraï Boukman ancien député Almitis Junior Saint-Fleur dans micro Jean Ernst Antelu Junior. Ça a passé dans Cité Soleil là, c'est continuité, ça a passé dans le pays en général. Cité Soleil a joué des scènes de violence, c'est des conflits groupe à groupe, zone à zone. C'est même situation ça a passé dans des zones dans le Matissan, Croix des Bouquets, en Haut-Taba, aujourd'hui en la Croix des Missions. Presque tout côté dans le pays a des groupes gangs ou des petits groupes qui a évolué là et qu'on cherche à prendre dans Cité Soleil, c'est beaucoup plus compliqué dans ce que. C'est bon bagage qui là, je dis, c'est bon bagage qui date il y a plus de 25 ans environ. Mais la compréhension, pas, non seulement la situation dans la difficulté, mais on sort des conflits, on a dit, bien quartier à quartier, mais on fixe la politique parce qu'elle subit l'influence. On fait des gros café politique dans le pays, et c'est qu'on s'allie dans toute notre zone, dans tout notre bloc. Le problème, c'est qu'on a des outils qui, fondamentalement, pas gagné. On vit à parler national, qui permet que nous mettons à question d'âme. L'État, l'idée dans l'État qui grand monde, l'État, l'idée dans l'État qui va fixer les bandits, qui va fixer les secteurs. Donc, je vous dis là, en pile, on fait en pile plus fort, surtout nos tabliers. Directeur l'école, directeur l'école, socio-professionnelle, comme politique, pas plus l'effort du fait, mais malheureusement, pas rien qui vient comme solution. Et c'est encore un moment pour moi condamné, le pouvoir de HTK, mais ancien pouvoir autour, la valace, etc. C'est un effort qui était fait sur Préval pour éradiquer le banditisme dans le pays, mais spécialement dans la Cité Soleil, quand même qui était porté fruit à travers des. Qui était un jeune qui a des âmes intégrées au Maxité là et CNDDR là. Mais c'était pour moi une solution cosmétique qui va porter à rien. Parce que par la suite, les capteurs politiques, ils ont alimenté dans le plus la face pour pérenniser le pouvoir politique. Je dis à la mère qui sont tabac dans le pays, il va oublier non, c'est le soleil. Je dis à l'idée, c'est pour mettre qui contrôle les tensions et sécurité, une fois des conflits et soleil, une fois une violence qui a fait le soleil, une violence qui a été attaquée,
dans un paquet de blocs et tout ça qui a passé dans cette ville, la zone métropolitaine, non. Mais sur la cité solaire, dans le sens que je dis à l'âge de plusieurs fédérations, les qui ont dans tout le pays, il y a pas fondé, je dis à la fédération, ça y est, ils présentent peut-être comme acteurs dans la situation. Là, c'est compliqué, c'est pour moi. Je veux dire, qui va impacter les capteurs politiques dans le pays, ou bien qui dans le secteur économique, qui dans la presse, pour bien des débats qui peuvent. Pays en pape jam gen sécurité, tout autant ces mêmes familles régime PHTK qui sous pouvoir d'après ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui t'a réagi sous phénomène kidnapping nan qui pas suspendre valé terrain dans pays an. Pendant la police a codé équipe qui sous pouvoir décodé dans l'idée pour créer un climat côté personne pas ka vivre dans la paix et sécurité d'après dirigeant initiative Marien. Ancien parlementaire a fait remarquer ça gagne plus passé 10 l'année depuis gagné un régime bandit légal qui installé dans tête pays hein. Journée aujourd'hui équipe qui sous pouvoir a fait toute sale qu'on est pour permettre même groupe bandit ça yo rester sous pouvoir pour continuer plonger pays hein, dans impunité corruption kidnapping côté déclaration dirigeant IPAM ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Nous qui vivons hein, depuis qu'on a bandit légal qui instauré dans le pays. C'est ça, mon gars, tout projet pour vous. Eh bien, Michel Martelly a commencé à songer son la famille, etc. Vous savez, c'est comme fait kidnapping. Martelly allait, eh bien, il a nommé Jovenel Moïse pour continuer le projet. Pour Jovenel Moïse, vous avez pas ici commencé à protester contre lui, manifestation, mobilisation, tout partout. Eh bien, l'intensité avec le projet. Bandit légal là, projet bandit légal là, qui a fait, mettez des armes, mettez des munitions, je venais la discipline dans une série de voyous dans le quartier populaire, je montais gang, et même que je suis pas des internationaux, nous sommes maintenant la ligne d'aller dans les Nations Unies pour te dire que je fédérais gang là, et que je suis en train de se avec la fédération des gangs en Haïti. Eh bien, je fais des gangs, je fais Genève en famille alliée. Il y a un paquet de gangs qui viennent faire 400 Marozo, un paquet de gangs qui viennent faire PIA. C'est le même projet bandit légal là pour permettre que si le groupe monde va dominer, ou faire sous le pays d'Haïti, sous la politique là, sous l'économie, sous tout le pays d'Haïti, c'est pour intimider la population, ils ont multiplié les gangs, tout partout. Eh bien, oui. C'est PHTK qui a dirigé le projet PHTK numéro 3. Et bien Ariel Chaudia là, dans l'exécution projet ça, c'est à faire que ça a multiplié gangs, kidnapping, kidnapping d'État, côté que les armes, munitions, il a continué à séparer et bien les gangs dans la population pour diminuer la population. Et nous songer Ariel de Vini. Et Jovenel Devini avec un groupe FNF, et lui-même, tout la continue dans le même bois, d'ailleurs, démonstration que je fais à carrière, c'est pas moyen qui va gagner, c'est pas moyen qui va gagner pour la sécurité dans le pays, c'est pas matériel qui va gagner pour la sécurité, parce que tout ça qui gagne l'État à faire, il est concentré pour la sécurité à Ariel, à l'équipe bandit légal qui a accompagné lui. La vie chère mélangée avec violence, exam, groupe bandit provoqué dans plusieurs zones dans le pays, a une grosse conséquence sur condition la vie paysan, d'après président mouvement paysan Papa Elan. L'État a dû profiter saison la pliant pour accompagner paysan, tant qu'on a plateau central, la Tibonite, à nord, d'après Chavanne Jean-Baptiste. L'année 2021 était catastrophique pour paysan, dans quelques régions dans le pays, d'après responsable MPP, Chavanne Jean-Baptiste, Anissa, paysan, ou pas qu'on est qui s'en pour y relayer à cause neg exam qui pas suspendre si mais la trouble tout côté dans pays qui empêche yo à l'emmacher sans qu'elle saute pour vendre produit. MPP encourage l'État développer infrastructure pour valoriser production agricole, renforcer capacité secteur agricole et puis mettre moyens nécessaires à la disposition paysan yo tant que semences ak zouti agricole. Yon l'autre côté, habitants yo dans localité Trois Roches dans commune Inche attire attention autorité yo sur quelques cas dans localité qui tournent cachette pour bandi exam
qui sorti dans zone métropolitaine Port-au-Prince, côté déclaration responsable MPP en Chavanne Jean-Baptiste. Alors moi mai c'est saison la pluie pour en pile côté dans pays là et dans plateau central où sa première saison et première saison en général qui commencé en avril et li pral fini en juin comme année 2021 catastrophique pour un pile côté dans pays là m'a parlé de côté gain même saison tant que plateau central la Tibonite nord et yon parti dans l'ouest là pour tout pays année passée c'est catastrophique année ça création on ti jan pi bon gain de l'autre côté saison yo commencé depuis octobre novembre ou gagnent dans sud grandance et nipé sud-est et puis ou gagnent deuxième saison paio commencé en février donc il y a des différences dans saison yo maintenant ou gagnons la vie qui a pété fiel tout le monde et qui frappe paysan ou du moins parce que paysan va gagner dans jardin excepté côté qui gagne terre ouvée donc paysan yo nan mal yo nan grand kou, yo nan misère, c'est nan marché ki jaten yo jan yo dil, et jou, si al nan marché mercredi, yo t'achete yon prix, nan samedi prix a changé. Donc ça qui dirait, matin même, m'genye yon président groupement qui relem, qui dit moi nan zone Henchland, qui ban moi même trois côtés, trois cailles, qui gen bandi armé, qui gen les sorti nan zone kwa de bouquet, nan l'ouest, et qui viennent cacher ou bien qui viennent habiter dans la place centrale, ça fait arriver déjà. La police découvre un groupe et dans une zone où des trois roches. Donc, pour nos situations, côté que paysans, ils n'ont pas de moyens de travailler, donc le travail existe pour paysans. Ni pour question sécurité, et paysans qui viennent un petit bagage pour ta vendre, ils ne peuvent pas le vendre. Et si ils le vendent dans le marché, eh bien, le marché est contrôlé par les bandits qui déchèrent hier. Donc, c'est sans compter. Zone d'un pays qui est totalement bloqué. Et pour y là, étant donné prix produits enragés sur le marché international, là, eh bien, c'est occasion, et là, dans le mois mai, là, et c'est principal mois saison, en pile côté, et pour paysans, ils ont planté au maximum, mais il faut que vous ayez l'état qui est de vous, vous ayez une semence, vous ayez des outils agricoles. C'est ça qui est le plus important pour nous. Nous ne pouvons même pas parler d'assistance technique. Et parce que nous ne pouvons pas faire ça, paysans, les techniciens pour tête. Et l'autre bagage qui est important, mais nous ne pouvons pas parler de ça, c'est que nous avons un crédit agricole. Donc je dis à pour paysans, c'est celle coup de pont qui existe. Donc nous-mêmes, nous prenons agriculture paysanne, familiale, agroécologique. Donc nous pas d'engrais chimiques ni pesticides chimiques. Centre Karl Lévesque, série dialogue qui commençait en premier ministre Ariel Henry avec bureau suivi à Comontana, pas qu'à changer en rien, s'il n'y a pas chita sous sincérité et volonté pour retirer paysan dans impasse. Directeur exécutif SKL, Révérend Père Gardi Maisonneuve, fait qu'on est premier ministre manifesté intérêt pour faire dialogue dans dernier jour ça parce que équipe politique qui te mettait sous pouvoir voulait changer monde. Père Gardi Maisonneuve plaidait en faveur d'un accord qui basé sous principe pour capable permettre paysan retourner dans normal li pour citoyens capable de vivre sans qu'elle saute. Dans quatre dialogues, acteurs doivent gagner un comportement responsable, ils doivent être attentifs et puis mettre intérêt paysan en avant, contrairement à ce qu'il y a été accord 11 septembre, d'après le directeur exécutif SKL. Pegardi, Maisonneuve, quoi, acteurs doivent viser changement, mais ce n'est pas poste dans l'administration publique. Là. Côté déclaration directeur exécutif SKL en révérend Père Gardi Maisonneuve. Nous-mêmes, nous comprenons que démarche pour gagner un accord et que c'est un accord largement large. Nous pensons que son nécessité, malgré avant Premier ministre, c'est toujours à faire cette lettre. Parce que l'été pensait qu'il était gagné une famille politique qui était campée derrière. Mais dernièrement, selon toutes les informations que nous gagnons, c'est même famille politique ça qui était campée derrière là, qui était voulait que pour changer parce que y aurait intérêt dans l'autre monde. Donc nous pensons que c'est ça qu'on a qui fait la chercher, fait accord avec le comité suivi, Montana, c'est ça qui poussait le qu'on a fait ça. Mais, ça ne veut pas dire rien si ce n'est pas un accord qui est basé sur la sincérité
côté nous sûr que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça, le pays n'a pas qu'à laguer dans mes bandits, que faut qu'on bagaille qui fait pour sortir le pays à côté de nous. La pluie tombée plusieurs côtés sur Port-au-Prince hier soir, il y a pile la pluie dans plusieurs zones. Vous connaissez depuis la pluie tombée comme ça, il y a pile de zones qui trouvent dans une situation compliquée avec fatra, avec alluvion, notamment dans la ville là. À cause de tout égout qui bouché et c'est ce qui là qui pour faire travail qui pas faire travail mettez la rue en situation compliquée dans certaines zones dans l'aire métropolitaine. Matin nous pral partager plusieurs points ensemble avec vous dans Télégramme Actualité. Nous gagnons plusieurs invités n'a gagné pour nous recevoir pour matin sur plusieurs dossiers. En audio n'a pral garder quelques points d'abord dans la politique et puis n'a fait un coup de pied et à Paris tout avec Franz Duval l'équipe qui à Paris depuis plusieurs jours il y a plein d'activités au couvre l'autre bois et on va le partager ensemble avec nous notamment et ça qui est avec activité t'a fait Cannes et puis n'a bon quelques grands points supposé qu'on l'île déjà tout et rapport ou tout au moins enquête ça New York Times sorti pendant le week-end là côté que yo il fait des révélations mais il retourne tout sur des bagages que en Haïti nous te connaît déjà nous pral et parler de ça pral bon quelques grands points dans rapport ça mais nous dire rapidement ça fait déjà 18 jours plus parce que 18 jours même depuis bandi kidnappé docteur Benedict Augustin il était parent et docteur a été renversé au premier coup. Bandi yo kidnappé yo mandé yon autre comme encore ça que parents yo pas en mesure proche yo pas en mesure pour bay kounya là fait que depuis 18 jours docteur Benedict Augustin nan men et kidnappé te gen des mouvements et de protestation qui t'est fait notamment bon côté plusieurs centres hospitaliers côté docteur Augustin a travaillé ben en mesure tout t'est fait 3 jours fermé pour être capable de demander ravisseur, demander kidnapper, libérer docteur Augustin, ça qui peut que j'aime fait. L'hôpital général pratiquement trouvé la même situation ça parce que docteur Jacques Pierre là après le parti sur deuxième semaine depuis il nommé kidnapper yo. Ça qui fait que l'hôpital général lui-même, il toujours été bloqué depuis les kidnappé docteur Jacques Pierre qui c'est directeur médical l'hôpital ça. Bon, nous venons apprendre samedi ça qui s'est passé là, on tire élève l'école Laura Erika et Flores qui élève l'école dans Marie Anne samedi 21 mai bandi tout kidnappé pendant la sortie l'école bandi kidnappé il y a ensemble avec lui et selon information qui vient de nous et bandi yo qui a circulé dans la presse bandi yo t'a demandé environ $600,000 américains pour libérer petit petit ça pour libérer petit élève l'école ça donc bandi qui continue à frapper avec question kidnapping yo et la police fait quelques coups de temps en temps dans des voies la police fait quelques arrestations et bon dit mieux que la police fait plusieurs arrestations dans les jours là de temps en temps entendez la police a dit yo arrêter des présumés bandits et de temps en temps entendez la police a présenté yo a publié non yo figure et sur compte Twitter ou bien sur page Facebook li. Mais ça pas empêché quantité moun k'ap kidnappé yo et ben li volume nan li pas jamais baissé et c'est toujours avec beaucoup d'inquiétude le moun ap kite la kao ou pas konnen si ou ap rentre donc autorité yo sous côté la police qui a fait quelques petits efforts bon autorité yo même yo était pratiquement égal à eux même. L'autre point n'a bien pour regarder ensemble avec vous et n'a regarder rapidement ensemble avec vous et faut moi dire que matin en beaucoup moins dans studio là au besoin avec Jean Daniel Sénat malheureusement il est pas disponible. C'est rapport d'enquête ça qui sorti dans New York Times pendant le week-end là. Et son gros travail capable de concéder journal là ça et d'ailleurs yon entente avec journal Le Nouvelliste qui publié en substance rapport à qui publié rapport dans journal là c'est avec deux journal yon gagne entente ça c'est Le Nouvelliste avec Le National pour publier rapport à yo souligné c'est plus par son dizaine historiens économistes qui participaient dans chercher information sur rapport ça sur enquête ça qui est mené.
Il y a des bagages qui ont dit que nous-mêmes, nous, hein, pays a été au courant de lui, ou est d'être indépendant. Mais il y a des aspects qui ont venu traiter la donne qui montraient dans la situation économique pays a trouvé le jour et jeudi à là, gens de dette indépendance, gens de façon la France est rançonnée, nous, hein, les pour beaucoup dans des gringolades économique pays a trouvé le jour et jeudi à là. Je souligne que c'est dans l'année 1825, bien après l'indépendance, nous, la France débarquait dans la radar dans Port-au-Prince avec gros bateau de guerre. Il vient faire pression sur nous pour que nous payer ça lui-même les relais dette de l'indépendance, même si tout le monde connaît et après une guerre, mes amis, c'est pas monde qui gagne pour payer. Historiquement reconnu, c'est pas monde qui gagne qui pour payer, c'est monde en général, c'est monde qui perdu à qui payer et monde qui gagne. Mais dans cas ça c'était inverse là, c'est Haïti qui t'est trouvé dans situation pour le payer malgré il était gagné, il t'est trouvé dans situation et pour le payer raison il était sep à l'époque, puisque et Haïti était pratiquement isolé après l'indépendance, isolé par rapport à tout notre pays, puisque c'était un bagage que nous défait et que aucun autre pays colonialiste, bien entendu, il pas de voulait pour que exemple ça l'était reprendre l'était étendu. 150 millions francs à l'époque, la France était estimée pour que le pays a été versé 5 tranches pendant période pour le verser en raison de 5 tranches chaque année. Chaque année, c'est comme ça a été conclu ensemble avec dirigeants à l'époque. Yo. New York Times pour souligner à la longue, comme ça, li pral gagner des conséquences désastreuse sur l'économie pays qui pas jamais capable relever, puisque yo souligné lorsque économiste yo fait évaluation par yo ça représentait entre 21 milliards à 115 milliards de dollars, ça représentait en termes de perte de croissance économique pour pays. Donc j'ai question 21 milliards là et ancien président Jean-Bertrand Aristide l'était évoqué dans mandat libre. Bon, et rapport ça couvre une partie tout dans fait historique ça. Président Jean-Bertrand Aristide qui était mandat libre, bon, conseiller le tout, c'est lui-même qui venait avec chiffre ça en premier, 21 milliards et quelques millions et avec eux, 21 milliards avec eux. Rapport à tout pour souligner, c'est une. Bon, rapport a dit ces bagages qui c'est point qui la cause la France te mette pied la terre pour que les faits Jean-Marie Aristide tombe dans le deuxième mandat en 2003. Et ça sont partis dans bagage là, mais faut nous songer tout, tu gagné en même temps, on levé bouclier bon côté société civile, bon côté population, tu gagné des mouvements de protestation, tu gagné élection qui t'est faite que tout je t'ai pas qualifié de élu qui était sorti dans l'élection ça de élu contesté. Et à l'époque, ça me fait rentrer dans la faculté sciences humaines, à l'époque pour l'élection présidentielle, Aristide certainement il t'a remporté élection à la présidence, certainement pas rien doute dans ça. Aristide il était assez puissant, il était assez populaire pour qu'il ait remporté élection à la présidence là. Mais pour élection législative yo, c'est là tout éclaté et c'est là tu as pas gagné et un peu de monde qui t'a pas levé puis au dire du sorcier du contester, parce que Rad Marie la va la STFA ben ont estimé que élection était truquée pour reste législatif là. Donc pour nous tourner sur ça et bien entendu l'autre clair. Toujours même rapport New York Times ça. Les souligner, c'est pas seulement la France qui rançonne nous, non, c'est pas seulement la France qui pille nous, non. Avant nous arriver sur l'autre pays, quoi, les États-Unis, on dit tout qui fourre mais au 17 millions dans l'économie, nous puis on te prend quoi, la banque nationale d'Haïti que nous dégainer à l'époque. Il y a un aspect qui est extrêmement important, nous capable souligner, et que rapport New York Times a mis en lumière. En plus de dettes là, que de l'indépendance entre guillemets et que la France t'a exigé nous pour nous payer pour l'indépendance nous. Et ça, on vient de la double dette. Nous devons dans notre situation, nous ne pouvons pas payer les gens que nous devons payer. Nous devons forcer nous pour que nous prêter quoi dans la banque que nous même été instituée, nous avons créé pour ça. Une fois que nous avons prêté et nous avons prêté, nous avons intérêt. Donc, nous devons trouver dans notre situation, nous devons payer. Pour qui a fait commerce, nous devons dire rapidement, nous devons payer quoi, nous devons payer intérêt, nous devons payer maman quoi.
et ça aurait les double dette là. Et banque ça, c'est pratiquement son banque qui était contrôlé et toute économie pays a selon les rapports New York Times et Météo. Et puis New York Times tout parlait dans même rapport ça de États-Unis, dit même tout qu'il faut être lié dans économie pays a selon ça yo dit. Et bien entendu c'est dans pendant l'occupation américaine 1915 là et que Marinesio eh ben gain un petit groupe Marines qui était débarqué, c'était en décembre 1914. C'est un petit groupe Marines qui était débarqué, eh ben premier côté qui était intéressé c'était Banque Nationale d'Haïti là côté que eux-mêmes ils ont pris tout dans ça de gain comme l'argent qui c'était environ $500,000. Ils ont pris $500,000 ça qui était évalué en or. Et c'est ça et rapport à les détails. Donc ce rapport capable de consulter les gars un peu partout capable en bon détail que mettait là dedans et en pile détail son gros travail et que journaliste New York Times fait qui méritait appréciation. Donc ou capable aller consulter et là nous t'a essayé bah quelques grands points dans rapport ça. L'autre actualité n'a partagé ensemble avec vous, c'est ça qui a passé là dans la douane avec de ce dernier ça ULC s'était fait avant hier dans la douane côté que ils ont fait une perquisition. Et ben et syndicat douanier rapidement ils ont réagi sur ça, ils mettent en note dehors association et douaniers haïtiens yo ils ont dit ils ont condamné, ils ont protesté avec toute force yo ça aurait les une pénétration par effraction agent selon ça ils dit ULCC fait dans différents espaces ils ont dit qui sensible dans les bureaux la douane yo. Yo dit yo entré la donne, yo dit son bagage qui est illégal. Yo dit que des systèmes informatiques c'est ça agent douanier lui-même il était dans le tas et que yo dit agent USCC a saboté et yo mandé dans sens ça pour que agent douanier yo même yo observé yo grève, yo mandé yo venir travailler, puis yo venir sous poste pas venir travailler non, puis yo venir sous poste mais puis yo pas travailler. Puis yo observé yo grève pendant une période yo pas fin détaillé sous période là yo évoqué plusieurs textes de loi là pour souligner que ça ULCC fait li pa gen droit faire mais directeur directeur général ULCCA met Hans Jacques Joseph li même tout le temps note dehors pour que li te clarifier position côté que te souligné direction générale unité cap lutte contre corruption dans pays a il était informé tout le monde dans notre limite de DEA et que il y a une enquête ouverte sous directeur général et la douane monsieur Bell. Il y a ouvert enquête sur lui parce que selon ça USCC dit sous Romel Bell selon ça USCC dit il était gagné en pile à l'aide que AGD direction générale douane et ben dans corruption. Donc c'est ça qui fait ôter selon ça aussi c'est ça qui fait ôter réaliser perquisition ça dans la douane. Donc pour moment n'a parlé là c'est ça qui est comme information nous songer que des informations tape circuler déjà sous monsieur Bell que nous même nous pas donc jamais rivé et confirmé c'est ça qui fait ici là nous pas véritablement parler de des décisions qui étaient prend bon côté administration américaine non contre monsieur Bell nous même nous pas nous te chercher nous que jamais capable confirmer ça fait que nous pouko jamais capable et parler de ça mais pour qu'on y a là, il y a des gens qui posent des questions qui demandent côté M. Bellier, puisque dans le moment et perquisition est faite, il n'est pas dans le bureau, c'est ça qu'il a rapporté nous. Il n'est pas dans le bureau, et M. Romain Bell, il n'est pas dans le bureau, c'est ça qu'il a rapporté nous. Donc du coup, pour qu'on y a là, pas véritablement de monde, bon, on dit nous-mêmes personnellement dans la salle des nouvelles, nous n'avons pas de nouvelles sous le directeur général de la douane. Mais l'information, c'est qu'après perquisition, cette association douanière a décidé eux-mêmes pour observer un arrêt de travail parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Jean et les perquisitions ont été faites. On nous partage d'autres informations ensemble avec vous rapidement avant nous aller en France pour aller à Paris pour aller recevoir Franz Duval avec l'équipe. Li. On regarde rapidement un autre aspect de l'actualité qui s'est causée politique. Vous songez, il y a deux rencontres de cela déjà que Premier ministre Ariel Henry fait avec Yuna Majojon à Comontanao, Magali Komodeni, deux rencontres qui fait et au TGR puis au
a fait l'autre rencontre et dans la rencontre ça a été fait, c'était pratiquement tout le monde bureau suivi à Corbon Dana qui au même étape dans la rencontre ça. Tu gagné une modalité de dialogue à Corbon Dana à te soumettre by Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre Ariel Henry dit tout ça vendredi à réagir sur ça. Mais ça qui est tout dans la bagaille là, c'est déclaration Premier ministre Ariel Henry pour le faire jour qui te 18 mai dans la carrière sous causé qui est pour avec comité qui là pour faire médiation. Qui est trois personnalités tout le monde connaît là-dedans. Premier ministre Ariel Henry parlé, il dit il encourager commission ça continuer faire travail et il inviter tout l'autre membre tout l'autre monde qui c'est des monde qui dans crise pour yo aller parler avec et membre qui dans comité ça qui dans comité dialogue ça alors que parallèlement à quoi monde dans lui-même pratiquement pas reconnaître et comité dialogue ça que le considérer comme une institution qui a fait qui a font sondage parce que dans notre accommodant dans TBT 2 yo il était dit que commission ça comité ça a été contacté yo et ont demandé yo position yo sous des points comme insécurité élection gouvernance constitution et comprendre d'où selon ça et mon bureau suivi à commentaire dans TBT 2 c'est un sondage et que commission t'a fait nous connaît tout et à commentaire tu dois répondre à contre proposition pour ministre Ariel Henry t'a fait nous t'ai cherché et une explication et pendant week-end dans notre conjoint on a regardé pour nous est-ce que dans qui point oui avec parti ça est-ce que il y a d'autres côtés qui programmé avec le Premier ministre Ariel Henry ou tout au moins est-ce que le Premier ministre Ariel Henry puisque moi plusieurs membres dans accord et en septembre là yo favorable pour que ce comité médiation qui menait dialogue là alors que déjà gagné deux tête à tête qui fait entre Ariel Henry avec une major Jean à Comandana Ernst Mathurin ou c'est membre bureau suivi accord Montana bonjour merci pour avec nous ce panel là bonjour monsieur Jeffra. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices Radio Magique. Merci, M. Mathieu. Justement, nous t'avons expliqué deux premières rencontres qui étaient faites avec Madame Komodeni, Magali Komodeni et Premier ministre Ariel Henry. Et selon certaines études sur Radio, c'était des rencontres qui étaient faites pour aplanir les sentiers en façon qu'ils étaient capables d'avancer vers d'autres rencontres qui étaient pas faites avec d'autres membres, ou tout au moins c'est tout membre qui est dans le bureau suivi à Komodana. Dans qui pour nous y est là, Monsieur Mathieu, est-ce que il y a d'autres côtés qui programmés avec Premier ministre Ariel Henry? Est-ce que nous-mêmes bon côté par nous dans le bureau suivi, nous t'ai écrit encore à Premier ministre après le dévoué contre proposition sous modalité et dialogue là-bas nous. Ok. Dans qui pour nous y est, nous passons processus échange à continuer. Je fais il y a deux échanges directs qui fait entre Dr Ariel Henry et Magali Komodeni. C'est des échanges pour préparer, pour te préparer un processus de dialogue politique qui t'a doué aboutir à une négociation. Préparation dans deuxième rencontre, il y a une proposition de protocole pour mener dialogue politique là que Montana soumet à Premier ministre en place là pour nous capables qui gens démarrer les discussions. Premier ministre en place là fait une contre-proposition qui a dit pas ouais bagaille là dans même angle avec Montana. C'est pas un problème en soi. Donc nous répondons samedi à Premier ministre de fait là pour dire par rapport à contre-proposition là vraiment il y a un problème grave. Mais qui gens que nous sommes capables de faire pour nous suspendre et nous démarrer sérieusement avec dialogue politique. Est-ce que ça veut dire nous d'accord avec ça le fait comme contre-proposition? Ça veut dire que ça le fait comme contre-proposition, Guéladin qui fait partie de l'agenda discussion. Que nous t'ai proposé à. Donc nous montrer qui Jean effectivement y fait partie, mais ça y pas suffit parce qu'il y a d'autres conditions pour rendre effectif de un
De deux, il y a l'autre considération que l'on fait. Nous disons, par rapport à la considération, ça y est, pas de problème. Mais qui gens nous capables de prendre compte de considération, ça y est, dans le cadre d'un dialogue politique direct, côté les deux délégations, s'il faut qu'il y ait d'autres, à bien d'autres, chita et puis pour voir qui gens pour faire pour retirer le pays à côté hier. Et de me comprendre mieux. Non, la proposition initiale et bureau suivi à Commandana est fait. Il y a des points clés là-dedans. Par exemple, sous modalité pour le dialogue la réussir. C'était d'abord objectif dialogue là, lieu, durée, discussion, yo, agenda discussion, yo, composition délégation qui parle pour venir faire, observation qui parle dans le dialogue là. C'est entre autres ça nous a mis dans modalité par nous. Qui ça, Ariel Henry, changé là-dedans? Ariel Henry, pas répondre sous modalité. Mm-hmm. Ariel Henry, répondre uniquement sous agenda et lui prend lui-même lui prioriser 4 points qui dans cadre agenda discussion et 4 points qui correspondent à ça lui-même lui tarément discuter. Qui 4 points ça? 4 points ça yo. Un, c'est la question de l'insécurité et la corruption. Deux, c'est la question de modification de la constitution. 3, c'est la question de CEP pour organiser des élections. Et puis 4, c'est la question de programme pour apaiser souffrance population. C'est 4 points ça que tu as discuté. Mais 4 points ça, ils font partie des 10 points qui étaient en dans agenda discussion que nous t'ai proposé. Nous montrer que là. Vous comprenez? Que c'est pas parce que. Bon, ça c'est une. Ok? Donc, pas nous a dit. Il y a une façon de voir qui n'est pas tellement diamétralement opposée en termes de points. Okay. Parce que ça lui propose, nous ne parlons pas aux mêmes gens, nous ne parlons pas de la même façon, mais nous capables, si nous parlons de la même façon, nous n'avons pas de nécessité pour faire un dialogue politique, nous n'avons pas entendu. D'accord? Donc c'est ça qui fait fort bon dialogue sur ces points, et puis pour nous garder qui j'en arrivé à des compromis sur points. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect qui est là, pour faire 4 points ça, gagner une condition, un environnement qui pour créer et gagner, ça veut dire une équipe qui lui-même gagne une capacité, gagne une responsabilité, gagne une détermination qui pour travailler point ça et permettre yo réaliser effectivement. OK. Là on regarde dans 4 points au sauté évoqué là au ta souligné c'est ça qui n'a pas contre-proposition premier ministre Ariel Henry. Me pas ouais gouvernance là dans non. Est-ce que ça t'a sous-tendu est-ce que ça t'a laissé comprendre que et pour Ariel Henry nous pas discuter des bagailles et de conjoncturel mais et ça qui structurel et que qui n'a accord mandana par exemple gouvernance et bicéphale monocéphale etc. Ça premier ministre Ariel Henry pas mettre yo à l'autre du jour pas mettre yo sous table négociation. C'est ça qui fait un pile mon nom pas là avant, ou qu'on pose les bonnes questions. Oui, effectivement, pas de gouvernance là-dedans. Effectivement, dans le point proposé, pas de gouvernance. Ce n'est pas un hasard qui fait pas de gouvernance. Puisque dans la façon dont on répond, pour lui, pas de problème de gouvernance. Pour lui, c'est un ensemble de monde qui pour bailler gouvernement en conseil, le gouvernement en place. Et puis le gouvernement a marché très bien pour lui. Son problème d'appui et de conseil que lui besoin. Mmh. C'est sa vision des choses. Mmh. Maintenant, dans la réponse, nous revoyons Balia, ou dire que nous écrit le samedi. Nous insistons sur point ça? Nous plus qu'insister sur point ça. Nous vous montrer que y a un problème de gouvernance grave. Et problème de gouvernance grave là, il n'est pas daté de lui-même. Problème de gouvernance grave là depuis avant qu'elle était là. Problème gouvernance grave la vie empiré avec présence li et pas l'un ou pas moi quel que soit côté ou grand problème non, ou à obligé aborder question gouvernance. Est-ce que ça t'a dit tout monsieur Mathurin si le ministre pas prend ça en considération dans modalité de dialogue yo et nous retrouver dans même impasse nous après 14 février souvent question ça vient impasse nous hier. Ce n'est pas Montana qui mettait nous dans l'impasse. Et parce que nous la donnons depuis avant. Montana cherchait réponse pour nous sortir dans l'impasse. Mais ce n'est pas Montana qui est un acteur
qui fait que nous vivons dans l'impasse là. L'impasse nous est lié au fait que il y a une situation dans le pays là, côté il y a des groupes, il y a des institutions nationales et internationales, il y a des secteurs nationaux et internationaux qui décident qu'il y a un pouvoir qui ne peut pas rien pour le pays. Mais ça qui mettait dans la situation ça. Et le jour où l'institution ça décide de débloquer le pays, pas de problème encore. Dialogue a fait, négociation a fait, tout va marcher, j'ai oublié. Mais en même temps, tout monsieur Mathieu, l'autre partie est capable de vrai tout. C'est peut-être Ariel Henry pas véritablement un poids en face li, qui est capable de forcer l'international là. Ah ouais, ça n'a pas demandé. Très bien. Il n'a pas un poids en face li. Donc, Kounia, le problème qui pose pour nous tous haïtiens, qui n'a pas vérité dans le trou que le président Trump te dit, hein, dans le genre de caractérisation haïtien, hein, problème nous pose pour les haïtiens et les haïtiennes. Est-ce qu'on veut rester dans ce trou qu'on nous a conduit, ou bien est-ce que nous voulons sortir là-dedans? Sans ces termes que le problème nous pose. Le problème est plus important et plus gros et plus grand parce que Montana. Ça nous interpelle en tant que citoyen, citoyenne, en tant que nation, en tant que peuple. C'est ça qui a joué là. Il ne faut pas banaliser. Ariel Henry est trop petit à tout accord en septembre, puis on a bloqué un pays, j'ai bloqué là. Bon, il se trouve que accord en septembre là depuis 11 septembre, et Ariel Henry lui-même en tant que Premier ministre, il est là depuis 20 juillet. Nous fait 10 mois que nous avons enfoncé Pifon dans le trou. Il est grand temps que ça cesse. Il est grand temps que nous appelons une interpellation, que nous avons un réveil qui fait quand même encore en septembre et quand il y a Henry pour être j'en retire par là. De façon nous-mêmes au niveau de Montana, nous n'avons pas l'autre choix. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord. Nous venons pour négocier avec le pouvoir en okay. place. Kounia, nous avons une réponse au Premier ministre Ariel Henry. Après, nous finissons d'écrire samedi encore, si vous comprenez bien. Oui, nous avons une réponse. Mais comment au niveau de la commentaire, nous comprenons, parallèlement à la rencontre que le Premier ministre Ariel Henry fait avec une leader à Kosa, à commentaire, Mme Denis, dans le discours que le Premier ministre Ariel Henry fait 18 mai, qui est passé là, et à Kaye. Vous parlez de accord, il n'a pas fait accord. Non, je ne vais pas faire accord. Non, je vais dire qu'il y a une idée à quoi, Montana. Je ne vais pas faire accord. Une discussion entre deux personnalités. Ça. Maintenant, dans le discours que le Premier ministre Ariel fait 18 mai qui se passe là, il dit qu'il invite toute partie pour qui est impliquée dans la crise là pour dialoguer, pour parler, pour rencontrer, pour échanger, souvler avec le comité de médiation. Alors que les gagnants, pratiquement, ont déjà initié un dialogue direct avec Montana. Et puis après ça, ils rabattent sous le comité de médiation. Comment vous comprenez ça? Bon, pour ne comprendre pas ça, il faut garder le contexte de l'Alchita avec Magali Komodoun. C'est le contexte de la gang dans la plaine, qui a ratiboisé la population. Le pays a fait un rôle vraiment bas, pour le reste. Il fait maintenant le nord, il fait maintenant le sud. D'accord? C'est le contexte tout, côté après 10 mois, pas grand rien qui marchait. Et la situation qui arrivait la plaine, montrait encore davantage qui gens pouvoir pas diriger réellement, puisqu'on fait effondrement de vie, puis grand danger tout le monde. Donc, et ce contexte aussi, côté des sommets des Amériques, que l'Afghanistan pourrait être capable d'éviter. Donc c'est dans le contexte ça, là, les. Donc ça, c'est pour une barre pour comprendre. Deuxième barre pour comprendre, de toutes les façons, le niveau monde qui appuie ou qui porte le pouvoir, positionne pas nécessairement, même, il y a là-dedans qui est capable de voler que gagner un dialogue politique pour débloquer la situation. Bien là-dedans, intérêt tellement important dans la situation il y a que vous ne pouvez pas débloquer. Donc c'est tout bas ça qui autour de gestes que le Premier ministre en fait. Premier ministre de fait là. Il y a un comité de médiation
premier ministre est pratiquement validé. Puisque c'est la première fois qu'il est intervenu sur lui pour que lui reconnaître la commission ça et l'encourager pour le travail. Mais même tantôt, son commission de médiation, vous autres, au niveau de bureau suivi à Commandana, nous pratiquement pas reconnaître et nous poser ensemble des conditions pour nous parler ensemble avec eux. Et pour nous, son sondage a fait. Oui. Mon commission, mon médiation, il voulait dire un bagage très bien, très clair. Médiation entre deux, nous ou bien plusieurs, nous, c'est là que Mounsayo mettait d'accord, c'est faire d'accord que c'est Mounsayo qui a fait médiation. Faire d'accord que Mounsayo a une qualité pour faire médiation. Mais l'équipe de médiation pas capable lui-même d'autoproclamer tête médiateur. Ça, c'est le premier bagage. Le fin d'autoproclamer tête médiateur. Premier ministre de fait là, par l'entremise de son ambassadeur à Washington, écrit congrès américain. Et c'est par là que nous apprenons que le gouvernement en place là cautionné le comité de médiation. Et le comité de médiation, ce n'est pas médiation que l'a fait. L'a rencontré avec nous pour demander une opinion sur ce qui a passé. Ce n'est pas avec les protagonistes que l'a cherché à rapprocher. Ce n'est pas ça l'a fait du tout. Faut ne pas quitter aucun monde dans la situation où il y a, ni aucun pouvoir passer dans la bêtise. Non mais, sous point ça, monsieur Ernst Mathurin, nous avons parlé avec une membre du comité ça, c'était le professeur Jean-Robert Charles. Il a souligné qu'il y a plusieurs étapes dans le travail de médiation à faire. Première étape là, effectivement, c'est rencontrer des secteurs. Il désire de rencontrer en pile secteur, même s'il ne parle pas de citer nous, il désire de rencontrer secteur dans tout ça, dans le cas de ça qui dit d'accord, ça qui pas d'accord avec, il désire de rencontrer tout, il a continué à rencontrer yo. C'est par la suite, il va le gagner pour faire médiation et essayer de mettre les choses ensemble. C'est en deux étapes, c'est en deux phases, et travail de médiation. Et c'est ça que j'ai expliqué ici. Là. Très bien. Ça, c'est l'explication que je donne. De l'autre côté, faut que nous connaissions mandat, faut que nous connaissions agenda, faut que nous connaissions démarche. On ne peut pas écrire et pour dire nous allons nous rencontrer, nous sous point ça, sans ne pas connaître qui est-ce qui bon mandat, mais qui démarche et autres. Ça ne peut pas faire comme ça. Et à qui titre? Mais en même temps tout. Mais par rapport à la commission de médiation, travail la faire. Dans le document de réponse nous fait à la Premier ministre de fait là, nous faisons des propositions sur ça tout. Mais en même temps, on est capable de souligner, on est capable de dire, bon, c'est vrai, en termes de médiation, si yon ou on l'autre n'a pas d'accord avec le médiateur là, et automatiquement, en principe, le médiateur n'est pas placé. Il faut chercher un médiateur et que tous les deux parties sont d'accord. Sur ça, tout le monde est capable de concéder ça. Mais même dans la situation de crise, nous là, il y a un groupe de monde que tout le monde connaît dans la société qui vient faire médiation en crise. C'est mettre le bras, mettre nous chita parler ensemble. Il n'y a pas de crise, on ne parle pas chita parler ensemble. Et puis, mettre nous chita parler. Et puis, le reste, quoi, l'équité nous parler, l'équité nous dialoguer. Nous ne pouvons pas dire que nous parlons chita parler. Nous pouvons jamais dire ça. Nous disons, faut quatre chita parler, il définit clairement. Pour pas bailler la population, il faut espoir. Ça arrive, nous parlons de ça arrive encore. C'est ça que fait, nous voulons que je vais être la clé. Il faut que je vais être la définie avant. Pas n'y a aucune situation là à côté de nous, ni l'autre, parce qu'on est capable de faire si malin. C'est les joueurs qui battent coq. On nous définit les joueurs là. Et puis, on a fini les joueurs là, on a publié les joueurs là pour toute population qu'on est, mais qui entend nous. Et puis, ils ont commencé. Laissez la population à performer, la population à prendre mesure de juger. Ok, monsieur Mathieu, merci un peu. Je vous dis à la, si vous comprenez, c'est réponse encore Napton, dans le premier ministre Ariel Henry, pour nous connaître, est-ce que nous allons avancer ou pas avec une série de discussions, négociations politiques, si vous voulez, qui déjà est en main entre Montana avec le premier ministre Ariel Henry. Merci beaucoup, monsieur Ernst Mathieu. Merci bien. Allez, au revoir. Bonne journée. Actualité à tous, c'était Paris, et pas Paris, non, mais et Cannes, et côté de Gampil et activité. Franck Duval et Valérie Dodier et l'autre Boa, et photo qui vient de nous au bel en pile superstar, drapeau haïtien qui a flotté. Bon, mon coup tout
qui a pris un pile de belles frimes. Fran Duval, ensemble avec nous, bonjour. Bonjour Jeffrey, bonjour Alphonse qui va sortir bien, bonjour Sénat, bonjour Gaël, bonjour Germina, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Mon plaisir pour nous ce matin. Oui, justement, on a parlé de ça là. Et Cannes, côté où vous souhaitez couvrir une grande soirée là, en pile artiste international, en pile acteur et international était là. Il y a des gens que nous connaissons, que nous connaissons dans pile série. Et où tu as des possibilités pour te parler ensemble avec eux. Dis-nous qui est l'activité à FD. Alors, Fondo, tellement tes activités le week-end ça. Cannes, c'est une naïo. Cannes, c'était 75e édition Festival de Cannes, un festival cinéma. Haïti, tu as 3 rendez-vous Cannes, tu as un rendez-vous samedi. C'était projection documentaire qui est Haïti, un pays d'artistes. Les fêtes n'ont pas vécu. Et le festival de Cannes. Mm-hmm. Deuxième rendez-vous à Rougeskio, c'est Jimmy Jean-Luc qui a invité mon monde à participer à la réception. Et puis. Un petit souci avec. Oui, on va prendre ça. Un petit souci avec communication. Et que la PC est rétablie rapidement là, avec Franz Duval. Probablement la déplacer. Oui. Allô? Oui, on va continuer. Où t'es arrivé? Allez-y. Où t'es arrivé quand tu as parlé de l'activité Jimmy Jean-Louis, tu as fait pour GSQ? Où là? Communication est coupée. On va laisser rétablir rapidement. Avec Fran Duval. La bouger, c'est ça qui fait un petit souci ça dans la communication, mais le groupe n'a pas rétabli rapidement. Oula, oui, et FD, je suis là mieux là. FD? Chanel n'a pas monté. Oui, oula, oui. Oui, au coup. Oui, nous sommes au Kounia. C'est bon. Oui, qui compte me dériver? Non. On t'a expliqué l'activité Jimmy Jean-Louis fait pour GSQ. Oui, alors deuxièmement, c'était Jimmy Jean-Louis qui fait une réception pour GSQ. C'est lui-même qui a un paquet de photos. Le troisième, son producteur, c'est Bruno Moral qui a un rendez-vous avec des producteurs. Quand il t'a présenté Sarah Long Pitch, présenté Fimni, expliquez-lui, et puis pour mon yota d'accord, mettez cop sur le film, pour le café film. C'était 3 rendez-vous, ça va, Haïti de Gain Cannes. Mais hier, tout pendant que ça a fait là, Violette a joué Saint-Domingue, non finale, et Violette finit champion. Si tu parlais de ça depuis hier soir, matin encore, tu as fait une nuit avec ça. Tu as un festival tout à fait New York, c'est Bayou qui a fait un tour, que c'est Wyclef, que c'est Michael Bouin, que c'est. Trouble Boy, qui sont bonnes notes artistes, ils ont joué dans une belle salle qui est en bas Manhattan. Là encore, succès, nous avons photo. Tu as un foire qui t'a fait dans le Caribe, tu étais là tout. Tu as un festival qui t'a fait à Paris le samedi, dans le stade football, côté compas à tomber. Là encore, tu étais là, c'est Belle qui était là pour ticket. New York, c'est Winnie qui était là pour ticket. Toute activité, ça a fait dans le mois de mai, dans le mois de pouvoir. Et en même temps, tout est fait comme ça. Comme je disais, il y a un peu de temps dans le week-end, c'est un festival Indianapolis, où tu es comparé à ton. C'est une nouvelle communauté haïtienne qui est dans Indiana. Quand nous, Jimmy Jean-Louis, tu fais un pile défilé avec drapeau bleu rouge sur Dole, c'était occasion pour que tu te mettes à l'honneur et Bicolola. Tout à fait, que c'est Romain, que c'est Drapoa, que c'est Haïtien qui était présent. Yo. Même Gary Doudan, qui sont acteurs américains, bon, obligé d'expliquer que le pas haïtien, mais qu'Haïtien a décidé de faire haïtien. Et son frère qui était mort en Haïti, qui fait la docteur Haïti. Et ils sont amis Haïti, d'accord, un bon ami Haïti. Il est toujours dans l'activité communauté à faire. Il devient pour tes mains fortes. D'ailleurs, c'est une musique, une partie, d'accord, animation que Cocktail là, t'es Canada. C'est une activité qui était faite essentiellement pour GSQO ou bien GSQO et Vingreffé, Jimmy Jean-Louis Greffé, activité par là non, 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 non.
c'est la deuxième année que nous faisons cocktail pour gestion sur Croisette là, côté que invité artistes qui ont mis Haïti, star qui a passé, dans sa réunion fondraising qui a fait pour gestion. Mais honnêtement, je vous fait là, c'est tellement belle que personne ne peut parler de fondraising. Non? Oh. Par contre, qui s'est acheté, qui s'est bâillé, qui s'est ramassé, mais vraiment, pendant presque 3 heures de temps, tout le monde a visé, tout le monde boit, tout le monde fait photo, tout le monde parle, et puis Paul fondraising ne va jamais parler. Ah oh. Par contre, c'est un bon bilan, mais honnêtement, je ne vais pas mes amis, c'est pas très trop belle, comme tout ça. Vous avez fait fondraising dans notre programme, yo. Bon, effectivement, c'est ça que je constate. Même, je ne sais pas si, bon, parce que des fois, les enchères sont silencieuses. C'est tout ça que tu as venu, tu es exposé. Je ne sais pas si il y a des gens qui font des offres, mais moi, je ne suis pas trop parti en enchères publiques. Peut-être en chair silencieuse. Ok, mais qui ça, vous avez besoin de ça pour nous faire ça? Non, des produits, en réalité, le principe là, c'est que comme c'est des gens qui sont censés gagner cob, qui sont censés gagner toute bagaille déjà, l'homme est en bouteille rhum aux enchères, bouteille rhum 15 ans, et bien c'est qui ça va plus qu'on bouli. Oui. Mais c'est plus pour participer dans l'action que pour acheter bouteille rhum. Oui, c'est ça. L'homme est en masque haïtien, un masque haïtien, parce que la gestion est liée. Des bénisteries, des dames qui travaillent en particulier, ils font des œuvres et dans l'œuvre, ça a été exposé, ils ont été éprouvant. Mais là encore, ce n'est pas prix qui est important, c'est combien on a fait pour lui, parce que c'est gestion qu'on voulait se couper. Et vous soulignez de grand pile d'artistes internationaux qui ont participé là-dedans. Et dans la photo que vous postez, moi, quelqu'un me reconnaît tout. Oh, oui, alors famille tout nous-mêmes, tous ces mêmes bagarres là, c'est ça, nous reconnaître, nous faire photo. Bien, mon nous croise, comme qui est sué, qui est sué, quoi. Quand c'est un mélange total de monde qui est très connu, de monde qui est moins connu, de monde qui n'est pas du tout. Côté fait là, alors, c'est un bagarre qui frappe. Pour ne pas que nous camper devant porte là, chercher à comprendre ça. Mais c'est devant chaque bar, devant chaque canne. Mon petit souci là, la poupée de temps en temps. Elle veut qu'il entre. Oui, on va attendre à ça. Elle veut qu'il entre, on va laisser reconnecter encore rapidement. Et pour que nous capable de conclure avec FD. Il est en train de la bouger et ça fait communication à la poupée comme ça. Quitter la zone de pour aller de l'autre côté. Et pratiquement, notre jeune essentiel ensemble avec lui. Et sinon, sinon, tu as porté des clarifications. Oui, précisions. Allô. Oui, tu as passé dans le tunnel. Tout à fait. Ok. Oui, ou t'as souligné et quand une bonne activité qui fait la dernière, une bonne personnalité et une moins connue, plus connue que l'autre. Oui, c'est ça. Et puis, public là, curiosité pour qui est-ce qu'il y a une question. Bon, malheureusement, communication a fait un peu de défaut là. Mais pour l'essentiel, les fans du Val expliquer. Son deuxième tunnel. Ah, ok. Vous sortez là-dedans. Mais ok, FD n'a conclu, c'était une belle activité. Et je m'en souligne là. Mais pourquoi vous avez bien pour nous connaître, est-ce que l'objectif principal là, qui était ramasser un petit coup de Bougescu, c'est l'arrivée à Athènes? Non, je ne sais pas quel objectif, je ne sais pas si ça a réussi à Athènes. J'aime dire là. Je ne sais pas si l'organisateur fait une communication sur ça après. Mais nous-mêmes, ça nous a dit, faites là, t'es belle, faites là, t'es. J'ai presque 3 heures de temps. Et tout le monde est satisfait, elle est finie. Tout à fait. Merci un peu, le bon travail. Merci un peu, que belle AFD. C'est un plaisir. À bientôt. Ok, et pardon pour appeler le coupure qui est en communication pour prendre ça. En dépit de la détérioration du climat sécuritaire, personne ne peut nier que la police tente de sortir la tête sous l'eau. Ces dernières semaines, il ne se passe pas une journée sans que la police n'annonce l'arrestation d'au moins un présumé bandit. Au cours du mois d'avril, le directeur général AI de la police, Franz Elbe, avait même présenté le bilan de ses 6 premiers mois à la tête de la police. Preuve que la PNH travaille tant bien que mal.
Pendant que la police fait ce qu'elle peut pour mettre hors d'état de nuire les bandits, la justice est en plein sommeil. Face à un tel constat, on est en droit de s'interroger sur le sort des personnes accusées à tort ou à raison d'alimenter l'insécurité arrêtées par la police. La lutte contre l'insécurité ne requiert pas seulement des arrestations. Elle implique aussi que les accusés soient fixés sur leur sort et que les victimes soient dédommagées pour les torts subis. Sans une justice forte fonctionnant à plein rendement, ce volet dans la lutte contre l'insécurité restera un vœu pieux. La grève des greffiers pour exiger de meilleures conditions de travail est une preuve parmi d'autres que le bon fonctionnement de la justice n'est pas une priorité chez nous. Depuis des années, le fonctionnement des cours et des tribunaux est une exception. Leur paralysie pour toutes sortes de raisons, la règle. Cela explique pourquoi l'impunité, la corruption, l'insécurité prennent de l'ampleur chaque jour à travers le pays. Le mépris du système judiciaire a sans aucun doute contribué à nous conduire à la croisée des chemins où nous sommes aujourd'hui. Sortir le pays du bourbier, notamment, et combattre l'insécurité de façon durable exige qu'on donne à la justice la place qu'elle mérite. L'éditorial signé Jean-Farès Jérôme qui est ensemble avec nous sur LinkedIn. Jérôme, comment est-ce? Bonjour, j'ai frère. Bonjour, t'en es-tu de l'éditorial Jérôme? On dit, on commence l'éditorial là avec Obaye Tikafé Mounsouri. On dit greffier en grève ou serait en grève? Comme d'adou, on doute sur grève là ou bien en grève ou pas en grève, c'est même bébé plan? Bon, et ça fait plus qu'un mois, greffier en grève et. Je suis un avocat qui dit que je suis en grève pour des causes qui ne veulent pas avancer, mais je ne suis pas en grève pour causes personnelles. Et c'est encore, et moi-même, comme employé, c'est une fois moi en grève, plus que moi en grève, même si la paix, nous avons fini par ennuyer la paix, nous avons cherché notre stratégie pour nous faire travailler, quand même, ou bien qu'ils cherchent notre travail. Et là, comme je n'ai pas constaté mal dans le tribunal, je suis en grève ou bien je suis en grève. Oui. Et là, vous soulignez, il y a un avocat qui a dénoncé grève illimitée, ça. Mais vous soulignez, à part avocat, et comme d'adou, tout va bien, madame la marquise. Oui, pas de pièce côté monté de tribunal en grève, pas de travail, pas de manifestation pour ça. Nous avons dit ça pas dans le média ou dans le parc actuel. Et par contre, c'est pour parler de ça. Mais c'est peut-être chaque semaine, il y a un renouvellement de grève là qui paraît dans quelques médias, que c'est mon point de vue, une grève qui. Tribunal, sinon c'est peut-être que c'est parce que ça va déranger personne ou bien que il pas paralysé tout bon vrai qui fait que ça pas fait objet d'information. Il y a un acteur clé dans ça, c'est le ministère Justice et Sécurité publique. Vous soulignez qu'il n'a pas rendu ni compte même que il y a une responsabilité pour le fait appareil justice a bien fonctionner dans le pays. Oui, si greffier ou bien l'autre acteur c'est dans la grève, c'est la justice ministre justice ça ou bien ministère justice cap dirige avec le CPJ, mais il y en a qui s'administration connaît que le ministère de la Justice est un groupe partenaire toujours. Eh bien, étant donné que le premier ministre ou bien président, c'est qui c'est la constitution Bali, mandat pour faire bien fonctionner l'institution, étant donné que le ministère de la Justice et c'est lui-même qui occupe de ça pour le ministre pour le président, eh bien, dans le cas ça, et dysfonction de la justice, ça, gagné et tombé sous responsabilité, ou bien en bonne partie là-dedans. Et si depuis un mois, nous battons des grands contrats faits par les commissions formées, par les comités à chercher des solutions, mais ceci va faire la public, nous on est dans une démocratie tout, même si on gagne compte pour rendre la population, et c'est transparence, c'est un volet de démocratie, et on gagne pour rendre compte de ce qu'on a fait, par les gens qui payent, et les populations qui sont réglées, pour qu'ils soient au courant, et bien nous ne sommes pas au courant de ça, et peut-être que le ministre de l'Assemblée pas même au courant si il y a une grève dans le tribunal. Peut-être que je suis capable de rapporter ça, peut-être. Ou bien, il est au courant, comme toujours, la politique de l'usure, où l'autorité pas Boris Citrin fait souvent. Oui, bon. Il y a deux choses pour résoudre nos problèmes. Chercher une solution pour résoudre nous-mêmes, ou imposer une solution. Donc, il y a le résoudre pour contre. Je vois ça qui me fait souvent pas Boris Citrin. Oui, et c'est peut-être ça que mettez dans le cas aujourd'hui à la qui te problème de résoudre pour contre, parce que l'on a quitté problème de résoudre pour contre lui ou faire un saut vers l'inconnu. Bon, laisse à Kawa, tout c'est pas un hasard, c'est un choix qu'on fait pour vivre dans Kawa. Parce qu'on est des problèmes de résoudre pour contre lui, la prise en côté quand même. Souvent, malade du patriotisme, ou qu'on est que c'est des hommes à ligne, la fini par acheter nos Java et puis la fini par tout le corps.
et jusqu'à ce que la fait ça, la fait avant là. Parallèlement au souligné ça dans l'éditorial là, la justice qui suppose insécurité à l'Ikembe et pays à notamment monde qui dans métropolitaine dans gorge et tout le monde a gardé la police pour lui répondre situation comme s'il était fait pour contre lui. Oui, tout le monde a appelé la police, tout le monde tout j'ai braqué sur la police et pour faire travail parti ça. La police n'est pas principale, la justice n'est pas principale tout. Les arrêts sont monde et ils accusent de X, de X ou bien Y, ça va lui dire qu'immédiatement, si on va qui kembe ou bien qui coule sous d'autres, il va pas retirer. Ça va lui dire que ça, la police reproche là, qu'il fait tout bon vrai. Et s'il fait tout bon vrai, il doit y avoir l'autre implication. Eh bien, et contre ceux qui doivent finir avec l'arrestation, ils ont parti la police, la justice doit jouer là-dedans lui-même. Mm-hmm. Et en même temps, tout, c'est l'occasion pour saluer un petit effort et la police, dernière semaine, ça a fait. Côté que, et, contrairement avec moi passé, la police a ouais, quelques tibèques qui ont fait la dernière jour. Bon, la police a dit là, chaque jour, la police communique sur les médias, communique sur les réseaux sociaux, la police n'a pas besoin, même la police n'a pas. C'est la justice et l'autre zèle là qui m'a dit cassé non mais qui pas déployé. Bon la police fait ça. Bon la justice doit attendre fin année judiciaire là pour faire un bilan pâle, pour faire un bilan global. Mais la police et la justice ne pas sentir harmonisation dans deux niveaux ça yo. Pas une annonce et beaucoup de la justice de et pas une annonce beaucoup de la justice pour par rapport avec la police pour et faut qu'on coupe la liste de sécurité. S'il fait tout le pas public, et j'aime dire, dans une démocratie, l'information est de circuler. Et on souligne ça, mon yon arrêté yon, yon gen doit tout. Yon gen doit puis passer devant un juge pour que le juge là, les statuts se soient yon, et victime yon tout, yon gen doit puis yon jouen des dommages. Oui, et nous avons des gens qui ont arrêté, qui ont dit non, c'est pas, yon pas coupable de sa recoche. Ouais, yon pas fait tel barrière, oui, ça se t'a passé. Et là, c'est parole, nous n'avons pas parole, nous n'avons pas parole l'autre. La police contre parole accusée. Et pas parce qu'un journaliste ou bien un monde pose une question, qui répond qu'il est coupable de ça, qu'il n'est pas coupable de tout s'il dit qu'il n'est pas fait. Eh bien, c'est rôle de la justice pour fixer la responsabilité, pour mener enquête et pour dire oui, ou tu fais tel barrage, mais sort qui marche avec elle. Et ça qui va le conforter victime, ce n'est pas seulement arrêter un monde qui fait le barrage qui mal, mais tout c'est pour le dédommager pour ça qu'il est subi. Et bien c'est ça qu'on va faire l'autre monde, on va hésiter pour commettre même crime ça autour. Et bien c'est ça qu'on va aller de combattre l'impunité. La justice pas en marche, mais pas fait travail pâle. Et bien c'est zèle qui bat l'impunité pour continuer à tailler bandal. Et là on a parlé pour monde qui a arrêté, pour la police qui a arrêté monde dernier jour ça. Et la justice ça c'est pas ça seulement gagner puis la paquet monde qui dans prison pas jamais là, plus passer 80 monde qui dans système et 80% monde qui dans système carcéral nous beaucoup jamais passer devant juge et naturel et pour fixer au soyo. Donc c'est ça on a parlé tout de justice ça qui est dysfonctionnel là. Bon, par contre c'est prison élastique par rapport à mon arrêté ces derniers temps, pas gagner monde qui sorti de façon il va et tout tribunal yo pour yo pas en fonction bien parce qu'avant plein régime c'est que on pas sorti dans à rythme avant rien et nous te connais déjà capable j'en dis à capacité prison nous était très limité en plus que il y a tout le monde qui était dessus sorti pas sorti là dedans yo fait plus pour que ça t'a supposé prendre mais si arrestation chaque jour est-ce que prison élastique qui fait qu'on capable tout autant de monde là dedans sans problème oui, c'est question. Non, l'autre dit est-ce que y a une question rhétorique parce que nous connais c'est même quantité capacité et dans système carcéral non. Oui, bon. Et nous connaissons chaque ministre qui monte, il y a toujours un seul programme, c'est combattre les détentions préventives prolongées. Mais chaque ministre qui monte, toujours est aggravé parce que justice ça va travailler en plein régime. Tout à fait. Et là, si nous avons besoin, nous prouvons que la justice par priorité nous, dans le pays, ça, et on souligne ça dans l'éditorial, là, c'est grève réfugiée à faire là, qui pas aucun monde ne peut régler un bruit. Même grève ici. Mathiam, comme moi, on doit renouveler la grève là encore pour, oui. Et pour laisser ça qu'à l'aile qu'à lever, pas bien en date. Et ça, c'est pour ça depuis 6 avril, mais début avril, grève ça là. 12 avril. Qui doit, la justice qui a campé, même avec la santé. Même avec la santé, on sait des secteurs qui n'ont pas bien campé. Vous imaginez que depuis plus qu'un mois, secteur ça a campé, ça va dire qu'est-ce qu'on a un. Et même grévis surtout, on va quoi ça dit, on va gagner tout. Et c'est à ça que tu as commencé sous construit
situation nous est là, c'est pas un hasard, c'est pas une fatalité, ça nous est là, c'est nous-mêmes qui construit l'aime de nous-mêmes. Non, mon cap dirige nous, qui construit nous, qui mettez nous dans situation de chaos que nous jouons aujourd'hui à là, et ça il passe par mépris de la justice. Oui, la justice, tout pays qui a marché, par contre, c'est une exception, pays qui a bien fonctionné dans le monde là, que la justice a fonctionné là-dedans, que la justice a un pouvoir qui est indépendant, que la justice a une autorité. Et j'aime dire, il y a des services qui ne sont pas campés, il y a deux jeunes dans l'immédiat, la justice est là-dedans, c'est une là-dedans, malheureusement, la caïnon, les fonctionnement, c'est exception. Et nous ne pouvons pas sortir, c'est qu'on soit fini l'éditorial là. Nous ne pouvons pas sortir dans sa nuit, je ne veux dire là, sans que nous ne pouvons mettre la justice là sur la place que le doit y avoir. Nous essayons longtemps, ça va avoir des résultats, il faut que je fasse une dépôle. Soit que la justice ne va pas passer, mais la justice prend place que le doit gagner. Et c'est à partir de là, c'est pas. Pas que ce qu'on a fait quoi là, quoi est-ce que nous sommes capables de dire? Oui, et nous ne pouvons pas réinventer la route tout. Il faut nous garder qui s'est fait pour nous faire le tout. Et j'aime souvent dire, nous avons une possibilité, nous avons, contrairement à l'autre pays qui est dans la même situation avec nous, qui est mal basé, nous sommes dans une zone que nous avons un modèle pour nous copier. Nous regardons ça, l'autre fait pour nous copier, que nous avons copié tout ça bon là-dedans, et pour nous avancer nous-mêmes. Et nous n'avons pas 4-5 façons de faire pays, et c'est ainsi que vous mettez campé, et c'est ce qu'on fait, nous regardons, j'ai l'autre défaut pour nous avancer nous-mêmes. Merci beaucoup, Jean-Faré Jérôme, pour l'éditorial. Bonne journée. Merci de l'avoir. Ok, on va aller qu'on y a là dans première page journal Le Nouvelliste pour nous dire qui c'est tout capable de jouer. D'ailleurs, Le Nouvelliste, première page là, c'est hier, il sorti avec en manchette à la racine des malheurs d'Haïti, des réparations aux esclavagistes. C'est ça, on n'a pas l'eau et à l'heure là. Parce que le français ne définit pas un coup de pied, mais deux et pas beau ici, là. Il retourne avec gros bateau de guerre, il vient exiger pour que nous payions. Nous payons l'indépendance là et c'est un pile cob et travail ça New York Times fait et que les gars ont tenté avec Journal Le Nouvelliste pour publier les bien on va jeter dans manchette journal là et qui se sortit pendant le week-end et qui est disponible actuellement. L'autre titre encore qui dans première page Journal Le Nouvelliste, Emily Prophète reçoit le prix Carbet et des lycéens. Les 219 ans de la création du bicolore célébré dans les villes de province, le nouvel extrait est encore sur une bonne belle photo d'après eux, avec Timounio qui a pas habillé, c'est Santa Palo et avant hier, qui symbolisait l'espoir. Il y a des gens dans le pays, qui voulaient, qui croient dans le pays, qui voulaient vivre. Photo 18 mai, mais pour démarquer 219 ans et création et drapeau noir. Mais bon, ça t'a fait espoir et c'était un pile belle image. Kessner Farrell, la crise politique menace la survie des petites entreprises. Économiste qui retourne sur l'actualité ça. Le DG de la douane Romel Bell dans le viseur de l'ULCC. C'est Santa Palo et allé là avec des explications et douanier lui-même qui a annoncé grève à partir de jeudi à là. Et dernier titre dans le journal Le Nouvelliste, vous pouvez constater dans la première page du journal là, Montana et Ariel Henry ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est notamment pour ça qui est gagné avec le comité de médiation. Hein. Et pas que, et puisque Martin a parlé avec M. Ernst Mathurin, membre du bureau suivi à Montana, mais qui a souligné tout, c'est pas seulement le comité de médiation, il n'y a pas le même genre. Et dans la contre-proposition de modalité de négociation, Ariel Henry, Premier ministre, l'IFEA Mondana, mais cette affaire de gouvernance, ça n'est pas mettre là-dedans du tout. Il mette l'autre bagaille conjoncturel là-dedans, sécurité, etc., élection. Mais il n'est pas mettre le gouvernance là-dedans, alors que nous connaissons fondamentalement à quoi Mondana est penché sous gouvernance là, sous comment le pays a dû diriger pendant période de transition. Voilà, pour quelques titres, vous pouvez regarder dans une journal de nouvelles. On prend un petit pause là. L'un nous pourra permettre d'entendre un extrait dans une interview et ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, et M. le professeur Nespi Manigat qui a accordé à Haïti 58. Côté que le ministre parlait de chiffres UNICEF et tabac sur quantité d'écoles, environ 1700 écoles qui depuis le dernier jour ça là fermé dans l'air métropolitaine qui tout prend dans Croix des Bouquets qui gont paquet c'est plus passé 700 dans tabac qui gont plus passé 400 et l'on prend et Mantissa en bas la ville là et l'on prend Badelma Cité Soleil
qui ont quantité, ça fait et environ 1700 écoles, l'école 1700 écoles qui ferment. Ministre pas l'expliquer et a expliquer pour me dire mieux comment au même au niveau des ministères il a fait et pour résoudre des situations ça permettre année d'école là lui-même les fini. Et une bagaille que le ministre Maniga a annoncé, ben il fait qu'on est tout petit monde qui trouvé dans zone de conflit ça qui contrôlé par gang armé. Et maintenant, examen officiel qui va le faire dans fin juin là. Et déplacer, il n'y a pas de problème pour suivre l'examen. Depuis qu'il est capable d'atteindre un centre d'examen, il va être là dans à travers le pays, il va être là dans le composé. Et pour sortir dans la zone déplacée, ça, dans la zone qui est contrôlée par gang, ça, le ministre Maniga a annoncé qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour rentrer dans quel centre d'examen pour composer. Oui, je dis, nous allons permettre de donner un extrait avec le ministre. Ministre de l'Éducation nationale là qui était en Haïti sa capcute vendredi là et il y a plusieurs points nous parlons ensemble avec lui depuis le fin fait émission hein, et moi t'ai metté annonce pour me dire nous va parler et quelques bagages ministre dit notamment sous situation et zone de conflit yo ti moun yo qui va gagner plus aller dans examen officiel il y a capable entrer dans quelque centre qui voulait aller t'ai une pile réaction des monde qui dans système dans qui relé me dit oui. Et c'est bien beau si vous êtes capable d'entrer dans quelque part sans pour le composer. Mais qui ça va apprendre? Parce que vous avez un examen, même gens avec tout le monde qui était plus ou moins et suivre cours pendant l'année. Je vais poser le ministre une question. On va parler de réponse. On va parler de réponse. Parce que c'est carrément injuste. C'est carrément injuste pour qu'un petit monde qui est Cité Soleil, par exemple. Au petit monde qui était dans pleine dans quoi des bouquets par exemple qui go perdre un bon jour d'école et puis on va le trouver il y a soumettre même examen avec petit monde qui était plus ou moins qui était gain chance comme dit mieux qui était gain chance pour yo suivre plus jours de classe que le petit monde ça. Andade explication ministre éducation nationale Atebay dans émission Haïti 58. Et il te parle tout, j'en tape de ça sur plusieurs autres points. Ministre Maniga. UNICEF sorti récemment, il y a quelques jours, yon bilan, yon évaluation de la quantité d'écoles qui ferment. Parlez de 1700 d'écoles qui ferment simplement dans l'air métropolitaine. Pour quoi des bouquets, nous connaissons la situation, quoi des bouquets, il y avait Gédé, Gan 4 Samarozo qui pratiquement mettait tête comme bois dans la zone Zaro, c'est plus passé 770 d'écoles qui fermaient dans la zone Zaro. Tabar, qui dénigre sa sécurité et sécurité à Yaya Koladan, c'est plus passé 440 l'école qui fermait la donne. L'opin Carrefour, pas Carrefour, Carrefour, bah, l'école lui a fonctionné normalement, bien content, on connaît mon Carrefour mieux, et pas Carrefour, mais Martissant, quelques côtés en bas de la ville là, quelques côtés dans Delma, c'est environ 200 écoles qui trouvaient au fermé. Comment gérer la situation ça, monsieur le ministre? Bon, chiffre UNESCO, c'est nous-mêmes qui débattons. C'est un rencontre que nous faisons avec UNESCO, en particulier dans le ministère là. Côté nous débattons combien de chiffres dans la cartographie officielle du ministère là, que nous recensons combien d'écoles nous recensons dans le district scolaire ça. Et c'est nous-mêmes qui t'expliquons combien d'élèves qui sont dans trois districts scolaires en particulier, district scolaire Tabar, district scolaire Croix des Bouquets, district scolaire Cité Soleil, nous avons publié, le ministère a publié, non seulement nous avons rencontré UNESCO sur ça, nous avons nous-mêmes publié le chiffre ça. Et nous avons dit, et là, ça te correspond à la semaine, donc une semaine où il y a une éruption de violence et incalculable qui a été dans la zone ça, côté l'école n'a pas fonctionné du tout. Donc toute ah, l'école ça, non. Comment c'est qu'on gagne de vie dans la zone ça? Donc le chiffre ça a évolué depuis, heureusement d'ailleurs. Donc, nous comptons très bien, et c'est vrai, nous avons des chiffres officiels, combien l'école que le ministère a une licence qui a fonctionné dans trois districts scolaires. Il est obligé de fermer pendant l'époque. Ça. Et pendant trois districts scolaires, on a parlé de quand même de 193 000 élèves qui sont inscrits dans le district scolaire. Et combien qui parlent dans la classe d'examen officiel dans la 9e année et dans le secondaire. La situation a évolué depuis, parce que, heureusement, et nous espérons que ça continue, en Béli, en continue. Timidement, même le problème n'a été dans le temps quoi des bouquets, nous avons eu la voie plus ou moins pour commencer, eh bien, il était difficile pour nous. Et c'est ça qui fait une réaction rapide que le ministère te prend. C'était dans la zone métropolitaine de l'Ouest, nous accélérer un projet que le ministère a gagné, qui s'est utilisé une fréquence que l'État a gagné, qui n'a pas servi aujourd'hui, qui a été attribuée à la Radio Nationale d'Haïti, c'est 102.1. Pour que nous lumions notamment dans l'Ouest,
pour que, et d'ailleurs, nous commençons, nous pas qu'à commencer avec 102.1 parce que nous pouvons finir avec l'installation à faire dans Boutilier, mais nous utilisons 105.3, côté nous, pendant 4 heures de temps d'émission, d'information, de formation, de promotion, éducation, culture, la science, deux derniers heures, nous réservons pour classe d'examen, côté gagner des cours qui passent pour Timounzao au cas où pas tourner l'école. Ça, c'est une première mesure. Deuxième mesure, direction départementale l'Ouest déjà annoncé. Nous devons évaluer ça pour nous dévoiler si nous avons un taux de pénétration de ça en faire qui est acceptable. Ça, c'est un coup où l'on a la guerre, où décider de prendre des mesures rapides. Nous pas qu'à dire nous avons une sophistication pour nous qu'on nous dit matelas. Okay. Nous avons un public cible. Nous avons qui nous choisit. Nous avons choisi deux classes, 9e année S4. Nous choisi des matières qui se prêtent à type d'émission comme ça. Nous diffuser. Nous ne pouvons pas exactement. Nous ne pouvons pas évaluer. Non, nous ne pouvons pas évaluer. Okay. Concrètement, nous ne pouvons pas évaluer. C'est un programme qui était supposé commencer en septembre 2022. Que nous bousculer, nous bien contents d'utiliser un studio qui permette que nous fassions ça. Radio, télévision éducative, ministère, là, qui parle de 102.1 à travers le territoire national, là, mais qui numérique tout, donc cap télévision tout, que nous sommes capables de démarrer dans ce sens-là. Pour nous faire ça, nous avons les compensations apprentissage. Oui, après ça, on va poser problème d'électricité. Et disponibilité de récepteurs pour Tibounou. Toutes questions ça, on va le poser dans sa. Moi, d'accord avec toutes questions ça. Moi-même, je suis de ceux qui croient qu'il faut commencer pour commencer. C'est parce qu'on crée besoin même qui fait que l'État et la société après aller plus. Nous n'avons pas qu'à croiser bras. Tout en là, nous obligés de bataille pour que nous avancions dans ce sens-là. Deuxième décision qui prend, par rapport à qui sont importantes pour poser, hein, c'est que nous avons fait des calculs pour nous déplacer des sièges d'examen. Il y a des côtés, nous connaissons que probablement nous avons un plan B pour ne pas avoir un siège d'examen au cas où il est impossible pour nous continuer à le déplacer là. Donc, nous avons déplacé le siège d'examen, nous avons approché dans des zones entre guillemets plus safe, en façon, nous avons des informations à temps. Si dans quelques semaines, l'examen nous verra des fondamentales, ça peut être pressant pour nous, et nous avons pris tant de pour évaluer qui je ne pas le faire, le baccalauréat. Donc, annonçant. En notre officiel, vous faites là, il y a des centres d'examen qui peuvent le déplacer, qui peuvent sortir dans une zone contrôlée par gang pour mettre dans des zones qui plus ou moins sont capables de là. Tout à fait. Maintenant, comment est-ce que vous avez des zones contrôlées pour aller dans le siège là? Donc, si vous n'êtes pas dans la zone, vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas dans la zone, c'est que le siège là est capable de fonctionner. Parce que semaine, nous avons commencé à prendre des décisions, j'aime heureusement commencer à voir une situation qui plus ou moins. Par exemple, si vous êtes dans une zone que gang occupé, personne ne va entrer, personne ne va sortir. Pas que l'école qui a fonctionné là. Oui, mais si vous n'êtes pas là. Oui, mais l'outil casse pas très complexe. Lorsqu'on zone, par exemple, on dit zone que je connais plus ou moins bien, Martissant, qui, par exemple, un an là depuis, et zone ça, l'État a abandonné. Route nationale numéro 1, numéro 2, l'État a abandonné. Si vous êtes dispersé, vous constatez qui, une grande majorité, bien entendu, qui voulait être vers le sud, mais il y a tout qui est allé vers le nord. Donc, comment vous allez dire pour mettre un centre là, qui est juste milieu capable de choisir pour mettre un centre pour être capable de dire accessible à tout le monde? Ou capable de prendre samedi, on va dire pour la plaine d'eau par exemple. Pour que tout le monde, il y a parents avec tout le monde par un seul côté. Il y a dispersé. Question posée, réponse là, claire pour nous. Anès, d'ailleurs, le ministère fait expérience ça l'année passée, parce que pas oublier, c'est dans le mois de juin l'année passée, violence dans le troisième an éclatée. Et ça que tu as fait dans l'époque ça. 1er juin. Ça que tu as fait à l'époque, ça, il te permet de faire quel que soit côté où tu es inscrit dans l'école. Le premier centre qui est plus près, il n'y a pas centre qui refuse aucun Timoun à faire l'examen. Depuis que Timoun a déplacé, il a arrivé dans le lieu de centre d'examen, un protocole de réhabilité pour l'entrée. Donc c'est ton barrage de flexibilité qui est fait dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que ça va veut dire qu'il y a des Timoun qui n'ont pas déplacé du tout côté de l'école? Probablement. Donc, nous pas non, malheureusement, nous n'avons pas une formule optimale de 100% de Timoun pour avoir accès à centre. Le ministère a mis en flexibilité pour que tout ça qui a déplacé rentre dans nos centres d'examen, n'a pas assigné des centres particuliers, mais si d'aventure. Même formule là encore, Anessa? Oui, même formule. Que soit pour un petit monde, depuis qu'il y a une zone qui déplace. Depuis qu'il y a accès à un centre d'examen, il y a pour se voir. Il y a naturellement bon protocole, ça veut dire qu'il y a pour un côté LTE, il y a des fichiers, ainsi de suite, puis il y a capable d'avoir accès à ça. Mais il y a noté que ce n'est pas le centre par ça. Donc, il y a une traçabilité sur ça. Parce que la direction départementale, l'Ouest en particulier, l'expérience là, il est équipé pour ça. Année, nous avons ajouté 105.3, qui a diffusé, qui a dit des cours spécifiques pour eux. Nous avons ajouté le fait que si nous n'avons pas besoin de venir, d'ailleurs, nous avons dit comme ça, pas en uniforme. D'ailleurs, nous avons dit une question uniforme, par paquet de corps pour nous avons composé. Donc, quel que soit l'agent, si nous avons venu, recevoir. Uniforme ou pas? Recevoir. OK,
OK. Maintenant on parle un petit peu de cap garder nous là monsieur le ministre. Là ça fait professeur m'a adressé son professeur de carrière tout cap dit monsieur petit monde moi il nous en zone côté que laisse à bon là l'école deux fois par semaine. Sinon je t'al pas l'école. Li pral l'examen officiel l'a même résultat avec Timoun Sa qui ont côté qui plus ou moins stable parce que pas un côté qui véritablement stable dans pays a mais qui plus ou moins stable côté que yo suivent cours tout au long de année ou pas de perturbation que li même li gagne. Ou pas trouver ça injuste en tant que professeur d'école. Son sujet que m'adresse en pile avant de ministre je dis encore le ministère travaille sérieusement son politique nationale d'évaluation parce que évaluation de toute façon même le pas te gagne la guerre des gangs t'es injuste. Même là, parce que si nous n'avons pas les mêmes conditions économiques, nous n'avons pas les mêmes types de professeurs qui devraient. Déjà, entre lycée avec l'autre école, nous n'avons pas les mêmes. Et même entre lycée, entre lycée la ville, entre certains lycées, où il y a un gap ça déjà. Oui, même avant ça, l'école là, M. Tabzil, sont lieux qui reproduisent l'inégalité sociale. L'école là doit travailler pour limiter la casse, pour diminuer, l'inégalité au départ ça. Facteur gangnan vient un facteur aggravant. Parce que là, on vient d'un nombre de jours scolaires. Bon, le troisième facteur aggravant, c'est traumatisme. C'est climat scolaire. Parce qu'on a un climat de violence. Et pour enseignants, et pour élèves. Ce sont l'école qui a fait presque un temps de guerre. Donc, nous pas non année l'école normale. Même si paradoxalement, année ça, depuis peut-être 4-5 ans, c'est la première fois, on a 7 mois. Côté l'école a fonctionné, on a 7 à 8 mois. L'école là. Entre guillemets stable. Que non. Voilà. Donc, en termes de calendrier, de comptabilité de calendrier, son relatif succès, en termes de nombre de jours scolaires, année ça a été moins, on a dit, il y a plus de stabilité que plusieurs autres années. Là, on dit de façon globale. Global. On ne va pas parler de Sud, on ne va pas parler de zones difficiles. Même le ministère de plus un pile fort pour la Saline, on connaît ça. Et pour Cité Soleil en particulier, nos bons pères, c'est timide, mais symbolique que nous avons fait. Non. Rentrer normatissant là, en particulier, dans zone c'est Bernard avec oui, avec l'École nationale du Pérou, avec son application Matissant, que nous, avec parents, yo, avec direction l'école, yo, nous avons une ouverture timide, mais pour nous préparer 2022-2023, graduellement.